Good morning, allez, Daniel Sus, aujourd'hui le Lonishmat Machlouf Michaben Masouda Rivka Bat Levi Yitzhak, Avram Chaynor Ben Fortuné Mazal Dov Ben Yudit et Nissan Ben Mafred. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions la Sechet Midot Perek Dalet Mishnah Gimel, Ushloshim Ushmone Taim Hayu Sham, Chamisha Asar Batsafon, Chamisha Asar Badarom, Ushmona Bemaharav, Shebatsafon Veshebadarom, Chamisha Al Gabe Chamisha, Vechamisha Al Gabe Hem. ושבמערב שלושה על גבי שלושה ושניים על גביהם. ושלושה פתחים היו לכל אחד ואחד, אחד לתא מן הימין, ואחד לתא מן השמאל, ואחד לתא שעל גביו. ובקרן מזרחית צפונית היו חמישה פתחים, אחד לתא מן הימין, ואחד לתא שעל גביו, ואחד למסיבה, ואחד לפשפש, ואחד להיכל. Mishnah qui peut faire un peu peur, mais c'est vraiment pas très compliqué. Je vous explique le principe. Je vous annonce aussi tout de suite, il y a deux manières d'étudier la Mishnah. Il y a ce que je vais expliquer, c'est à peu près la vie admise par le Tosfot Shem Tov et Tiferet Israël. Et il y a un avis compliqué que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'il veut dire. Je préfère même pas en parler. C'est l'avis du Rambam rapporté dans le Barthénora. J'ai pas réussi à comprendre comment ça se présente. Il y a pourtant des dessins dans ma Mishnah, mais j'ai pas. Bon. Pour le moment, on va expliquer la Mishnah très simplement, mais en Tachem. Regardez. On a déjà expliqué le principe que lorsqu'on a un mur qui doit monter très haut, alors il va falloir qu'il soit très épais. Pour bien le soutenir. Parce que imaginez que vous faites monter un mur avec des blocs de 14 cm. Sur 20 mètres de haut, par exemple, vous avez des fortes chances qu'il va tomber à un moment. Il a besoin d'être beaucoup plus assis. Entre parenthèses, même, je peux même vous dire un peu mieux, il a besoin d'être bien épais en bas, mais au fur et à mesure qu'on va monter, il peut aussi être moins épais. On pourra plus gagner de la place. C'est important ce que je vous dis pour la prochaine Mishnah, pour comprendre un peu la largeur des taïms et tout ça. On en reparlera Bezrat Hashem. Mais donc, on a un mur très épais. Maintenant, on a un mur très épais, mais... selon les principes physiques, on n'est pas obligé d'avoir un mur rempli de ciment pendant toute l'épaisseur, sur toute l'épaisseur. Il suffit juste qu'il soit bien calculé, qu'on peut aussi en milieu, qu'on peut bien calculer une certaine épaisseur, bien dispatcher le poids, mais malgré tout aussi sauver des espaces à l'intérieur. D'accord? Selon ce principe, c'est général, ouais, c'est des règles de construction, d'architecture, un peu quoi, évidente, mais selon ce principe aussi, lorsqu'on va faire monter des murs très hauts, comme le Echal, qui faisait 50 amas de haut. Et 50 amas, je crois, je regarde si je trouve tout de suite, je vous le dis, ou sinon, on l'apprendra. Ouais, c'est ça. Il y avait bien, bien plus, il faisait 100 amas, bien sûr, 100 amas, 110 amas même, je crois. Un truc gigantesque, d'accord, c'était un petit building. Donc il fallait donc faire monter des murs. Maintenant, le mur, en fait, regardez, vous voyez tout ça? Toute l'épaisseur, c'est à peu près l'épaisseur du mur, mais bien évidemment, tout n'était pas rempli. Mais un, il soutenait l'autre, et on dispatchait le poids, et il y avait des poutres qui reliaient, et qui soutenaient, et qui entretenaient, et donc ça faisait que le poids, il était plus étalé. Entre parenthèses, vous voyez toute cette épaisseur, mais ça montait pas avec toute cette épaisseur jusqu'en haut, ça montait jusqu'à une certaine partie. Comme ça, le socle, il est bien épais, puis après, on peut faire monter le reste du binyan au haut, mais plus avec tellement de largeur. D'accord? C'est à peu près le principe général. Si vous voulez avoir, vous prenez le PDF aussi, ça peut aussi beaucoup aider. Feuilletez le PDF, tout simplement, vous verrez toutes sortes de dessins qui peuvent vous aider un peu à mieux palper un petit peu tout ce qu'on va dire. Regardez, par exemple, j'ai dans ce dessin, dans la page 3, en bas à droite, ouais, on voit comme ça, dans ce dessin, on voit une certaine vue de haut du Echal, avec le Oulam. Si vous faites attention derrière dans cette partie-là, on voit par exemple que ça dépasse en bas. C'est pour pouvoir avoir le socle plus étalé. Maintenant, ce n'est pas obligé que ça monte tellement haut, surtout ça nous permettait d'avoir plus de fenêtres dans le Echal. Voilà pour le principe général. Donc du coup, comme je vous ai dit, l'espace à l'intérieur des murs, il était bien exploité. Il y avait des taïm. Un ta, ça s'appelle ça peut être une cellule. Pour quelqu'un qui est en prison, il est aussi dans le ta qu'elle est, en hébreu moderne. Ça peut être une cabine, ça peut être c'est une ishka, c'est le même principe, une cellule, une cabine, un kajibi, ce que vous voulez. Ben, figurez-vous qu'il y avait 38 petites pièces autour du Echal,
On va aussi apprendre les tailles. Elle le faisait en général 6 sur 3, je crois, ou 6 sur 6 plutôt. On expliquera un peu plus dans les détails après, une fois qu'on va aborder la Mishnah. Le principe de la Mishnah, il est de me dire maintenant comme ça, qu'il y avait 38 qui étaient en fait partagés en 15, 15 et 8. 15 de ce côté-là, 15 de ce côté-là et 8 de ce côté-là. Vous allez me dire, mais comment on peut faire 15 si quand vous comptez, vous avez 3, 5? Et la réponse, elle est très simple. Il y en avait une sur l'autre. Il y avait 3 étages comme ça de Taïm. Alors maintenant, on va continuer dans notre Khoveret. Et cette fois-ci, je vous envoie à la page 6. À la page 6, on a, chez moi, c'est partagé en deux pages. Chez vous, c'est la page 6. On a cette page-là et c'est ce croquis-là, ce dessin-là qui m'intéresse. C'est une très belle simulation dans la mesure où ça, c'est le Echal lorsque vous le voyez à l'intérieur si on lui supprimait la façade. Ce qu'ils ont fait dans ce dessin, et ça c'est notre Mishnah justement, c'est qu'ils ont même supprimé les murs intérieurs de manière à ce qu'on voit tous ces taïm, toutes ces cellules. Toutes ces cellules, on les voit à nu en fait, comme si on a supprimé les murs internes. Ça nous permet de bien illustrer un petit peu, comprendre comment étaient les taïm. D'accord, je remets le dessin plus proche. Et comme vous le voyez, donc on a supprimé les murs internes. Et si vous comptez, ben vous avez 38 pièces, 38 cellules. D'accord? Comment elles étaient dispatchées? Alors, la Mishnah enseigne. Ushloshim, Ushmone, Taïm, Ayusham. Il y avait là-bas 38 cellules. Chamisha Asar, Batsafon. 15 dans la partie nord. Chamisha Asar, Badarom. 15 dans la partie sud. Ushmone, Bemahara. Il y en avait 8 dans la partie ouest. D'accord? Sheba Tzafon et Sheba Darom, celles qui étaient au nord et au sud, il y avait Chamisha, Al-Gabé, Chamisha, il y avait 5 cellules sur 5 cellules, des Chamisha, Al-Gabé, et 5 au-dessus d'elles. On avait comme ça 3 étages de cellules. Vesheba Maharav et celles qui étaient à l'ouest, donc là on avait donc 5, 5, 5 et 5, 5, 5, et maintenant Sheba Maharav, celles qui étaient à l'ouest, on avait Shlosha, Al-Gabé, Shlosha, 3 au-dessus de 3, ou Shnaïm al-Gaben, et deux qui étaient tout en haut. Les deux d'en haut, elles étaient plus grandes. Toutes ces cellules-là, elles servaient pour garder, stocker toutes sortes de choses, toutes sortes d'objets, d'ustensiles, et voilà. Ou Shlosha Ptachim Hayu l'école Echad ve'Echad. Et chacune avait au minimum, je rajoute le mot minimum, il y avait au moins 3 ouvertures, c'est-à-dire, pour pouvoir entrer, comme vous le voyez déjà dans le dessin, eh bien, on entre par le piche-pêche, quoi qu'il arrive, on entre par ce petit piche-pêche-là, le petit couloir qui nous mène jusqu'au tas. Et donc, on arrive dans une première cellule. Eh bien, comme vous voyez ici, il y a une ouverture blanche là, au milieu, c'est pour pouvoir passer à l'autre cellule. Et comme ça, on faisait le tour à l'intérieur de la cellule, pour pouvoir, on pouvait faire le tour, on pouvait même passer par ici si vous voulez. Il y avait même, comme vous voyez, il y avait même une sortie par là-bas, sur le côté sud. Il y a aussi une sortie des taïm. D'accord? Donc on passe d'une à l'autre. Maintenant, on a dit que c'était superposé sur 3 étages, mais il y avait aussi des escaliers. Alors quand vous êtes tout en bas, eh ben vous avez juste un escalier qui monte. Quand vous êtes au milieu, il y a un escalier qui monte et qui descend. Plus une porte à droite, une porte à gauche. On va se retrouver avec 4 portes cette fois-ci. Et quand on va parler de ce tas, le premier tas, la première cellule qu'on arrive du piche-pêche, qui nous permet d'entrer dans le Echal, pas celle de gauche, parce que celle de gauche, personne ne nous rentrait par là-bas. Mais quand on entrait pour entrer dans le Echal, alors il s'avère qu'on a une entrée qui donne sur le Oulam, une entrée qui donne sur le Echal, une entrée qui donne sur la Messiba, on expliquera ensuite c'est quoi la Messiba, et une entrée plus une entrée qui monte sur les escaliers, parce qu'apparemment il y avait. C'est-à-dire les escaliers, c'est aussi considéré comme une porte. J'ai l'impression qu'il y avait réellement une porte. On aura l'occasion, plus on avance dans la Mishnah, on aura l'occasion d'un peu mieux comprendre, je pense. D'accord? C'est le principe de la Mishnah, et on traduit ça dans les mots. C'est très simple. Si on ne complique pas la Mishnah, elle est très simple. Ushlosha ptachim ayu l'ekol echad ve'echad. C'est pas que le Rambam, il a cherché à se compliquer la vie. C'est qu'il pensait que le Emet, il n'était pas comme ce qu'on est en train de dire. Donc, du coup, il avait besoin d'expliquer un peu autrement. Mais pour le moment, nous, on se contente d'expliquer au moins les mots. Sachez juste qu'il y a d'autres interprétations, et que j'aurais bien voulu vous en faire part, mais j'ai pas réussi à comprendre. Donc, Ushlosha ptachim ayu l'ekol echad ve'echad. Il y avait 3 portes au minimum pour chacune de ces cellules. Echad la tamina yamin, un pour la cellule qui était à droite, c'est-à-dire, vous vous rappelez, comme c'est pour le misbéar, comme vous voulez savoir, c'est où la droite et la gauche, et si je me tourne, ma droite elle est à la gauche, la gauche est à la droite,
Alors non, vous avez toujours les yeux rivés vers l'essentiel, et dans ce cas-là, celle qui est dans votre droite, ce sera la droite, et celle qui est à gauche, c'est la gauche. Donc comme quand on fait le tour de la Bima avec le Sefer Torah. C'est quoi faire le tour à droite ou à gauche? À Fourche même, comment on décide c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche? Réponse, puisque la Bima c'est l'essentiel, mets ton nez vers la Bima, et puis fais coucou avec la main droite et commence à marcher par là-bas. D'accord? C'est comme ça qu'on calcule toujours comment est-ce qu'on fait le tour du Mizbéach, le tour de la Bima avec le Sefer Torah, le tour de quoi que ce soit. À la différence, non, on va pas compliquer. Et voilà. Donc, selon le même principe aussi, il y avait toujours donc, Echad l'état minayamin, une sur la porte, sur la cellule qui était à droite, Echad l'état minasmol, une qui est à la cellule qui donnait à gauche, Echad l'attache al-gabav, et une pour monter sur la cellule qui était au-dessus. Quand vous allez partir au deuxième étage, donc vous en aurez une de plus, parce qu'il y a celle qui donne en haut et celle qui donne en bas. Uvekeren mizrachit, alors là, maintenant, attention. On va parler de la cellule particulière qui se trouvait au Keren Mizrachit Tzfonit, à l'est-nord. Nord-est, c'est ici. Puisque là, c'est le nord, et là, c'est l'ouest, donc là, c'est l'est. Là, c'est la cellule, le tas particulier, où il y a le maximum de portes. Qui sont quoi? Au Keren Mizrachit Tzfonit, ayu chamisha ptachim. Il y avait cinq portes. Echad lata minayamin. Une pour aller à la cellule qui était à droite, à sa droite, donc tout au fond. Mais Echad la tâche, Al-Gabav, une pour monter, qu'on ne voit plus dans le dessin, une pour monter à l'étage au-dessus. Mais Echad la Messiba, et une pour aller sur la Messiba, mais je vous l'expliquerai après, c'est quoi exactement la Messiba? Et Echad la Pishpash, et une porte qui donnait sur le Pishpash, donc sur l'entrée, le petit couloir qui menait jusqu'au Oulam, jusqu'au hall d'entrée. Mais Echad la Echal, et une qui donnait sur le Echal. Le Echal, c'est bien évidemment le Echal, le sanctuaire. Maintenant, juste un petit mot sur la Messiba. On aura l'occasion de mieux la découvrir dans les prochaines Mishnayot. Je crois que ce sera la Mishnah Hey plutôt. Exactement, ce sera la Mishnah Hey. La Messiba, c'était pour pouvoir monter sur les toits. Il y avait des réparations à faire. Il y avait des fois, il fallait repeindre. Fréquemment, on avait déjà vu qu'aussi qu'on repeignait le Echal une fois par an. Je crois, et il y avait aussi il y avait toutes sortes de réparations à faire pour pouvoir faire ces réparations par haut ou monter. Alors, on avait prévu une sorte d'escalier. Messiba, ça ne veut pas dire faire la fête. Messiba, ça veut dire faire le tour. Quelque chose qui est sauvève. Messeiv, la sive, sauve, ça veut dire qu'il tourne. Donc, on sort sur la Messiba. C'est une Messiba, c'est une pente qui monte. On va monter par là, on va faire le tour, on va arriver jusqu'en haut. Et puis, comme ça, on va pouvoir ensuite commencer à monter sur le toit pour faire des réparations. Et on découvrira tout ça avec Bezrat HaMashiach dans les prochaines Mishnayot. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.